Bonjour, je suis le docteur Dufour, je suis le conseiller régional en santé mondiale, ici à Yaoundé, à l'ambassade de France. L'action de la France au Cameroun dispose de plusieurs canaux d'action. D'abord le canal multilatéral, qui comporte le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, mais aussi l'Alliance Gavi pour les vaccinations, mais aussi l'UNITED pour les projets de recherche opérationnelle. À côté de cette action multilatérale, la France dispose d'outils de coopération bilatérale qui nous permet d'agir sur plusieurs points qui sont inclus dans la stratégie camerounaise 2020-2030. Je vous rappelle que cette stratégie camerounaise insiste sur plusieurs points, dont un certain nombre sont nos priorités aussi. Par exemple, la lutte contre les maladies infectieuses, leur prévention et leur traitement, mais aussi la mise au point, la mise en route d'une couverture santé universelle. En ce qui concerne la lutte contre les maladies infectieuses, nous disposons ici d'un outil bilatéral extrêmement important et compétitif, c'est ce qu'on appelle l'Initiative. L'Initiative est une organisation qui dépend d'Expertise France et qui maintenant a un très gros portefeuille d'action ici au Cameroun de 11,5 millions d'euros. En ce qui concerne la couverture de santé universelle, là c'est vraiment l'Agence française de développement qui est en première ligne et action a permis de créer le chèque santé dans le nord du Cameroun, qui s'adresse aux femmes enceintes, qui leur permet d'avoir un accouchement, je dirais, serein et surveillé et médicalisé. Ce chèque santé a permis la diminution par deux de la mortalité maternelle chez les 400 000 femmes qui en ont bénéficié.